avoir organisé ce festival de films? Est-ce que c'est seulement dans un but cinématographique? Ah non, bien sûr. Enfin, pour nous, ça représente toute une action du groupe. On a d'abord voulu faire connaître le groupe, nous faire connaître nous et rencontrer des gens, rencontrer aussi des homosexuels, parce qu'on pense qu'il y a certainement beaucoup d'homosexuels en Suisse, des milliers qui sont cachés, dont on n'entend jamais parler. Et pour nous, c'est une occasion de les rencontrer, enfin, de montrer aux gens qu'on existe. Puis il y a aussi toute une image de l'homosexualité qu'on voudrait détruire. Enfin, les gens se font des idées toutes faites sur nous. Et c'est une occasion de rencontre, de discuter avec les hétérosexuels aussi. Tout ça dans ce festival. Actuellement, il existe des groupes organisés autour de l'homosexualité. Pourquoi ces groupes? On peut dire que ces groupes se distinguent de ceux qui ont pu exister auparavant, notamment en Suisse, par le fait qu'on ne se pose plus du tout le problème de savoir quelles sont les causes de l'homosexualité, psychiatriques, biologiques, les hormones, le père qui n'a pas fait son travail, la mère possessive, etc. Et que ça s'est traduit par une nouvelle stratégie, au fond, dans laquelle on dit simplement le fait homosexuel, il est valide. Ce qui ne marche pas, ce qui est vraiment contestable, c'est les conditions faites à l'homosexualité par la société dans laquelle on vit et qui créent les problèmes psychologiques et la folie de certains homosexuels. Et je crois que pour nous, je pense aussi au départ, c'est avant la démarche de lutter, il y a aussi l'envie de se rencontrer, de parler entre nous de ce qu'on vit tous et s'apercevoir qu'on n'est plus seul au monde homosexuel. Et à partir de ça, de cette réflexion sur nous-mêmes, envisager une ouverture sur l'extérieur. Ce qu'il faut dire, je crois, c'est qu'il y a une dizaine de groupes en Suisse en ce moment. Il y en a à Zurich, à Bâle, à Berne, à Saint-Gall et dans d'autres villes. Il y en a à Lausanne et Genève. Et que tous ces groupes ont en commun certaines stratégies, mais aussi travaillent de façon locale. Donc quel genre d'emploi n'admet pas l'homosexuel? Ben, principalement dans le domaine de l'enseignement, l'éducation, les hôpitaux. Profession sociale. Profession sociale. Et puis je crois aussi que dans le cadre de la famille, bien des jeunes se sont fait mettre à la porte parce qu'ils avaient parlé de leur sexualité. Et c'est clair que pour la famille, comme pour l'Église, on ne représente pas des potentiels de reproduction. Et selon vous, est-ce que l'homosexualité féminine connaît des problèmes spécifiques? Il ne faut tout de même pas perdre de vue que nous vivons dans une société surtout hétérosexuelle et phallocrate, et que de ce fait, la femme subit une double pression. En tant que femme, et puis dans un monde d'hommes. Mais finalement, vous n'avez pas l'air tellement malheureux. Est-ce que vous êtes vraiment plus malheureux que les autres? Je trouve qu'on en a l'air. Moi, je pense que c'est dans la tête des gens. Enfin, l'image de l'homosexuel malheureux, les gens voudraient qu'on soit malheureux, mais nous, on n'en a pas l'impression. Enfin, on essaye de vivre bien avec ce qu'on est.